Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon après-midi. Frères et sœurs en Christ, fidèles téléspectateurs de l'émission Temps de prière agressive, nous voici une fois de plus dans la présence du Très-Haut pour vous tenir compagnie, mais également toujours au service de l'Éternel des armées. Elohim, le Dieu créateur, c'est Dieu qui nous octroie le souffle de vie, l'être, le mouvement et la respiration. Nous lui disons merci pour son amour envers nous. Nous lui disons merci pour le souffle de vie. Nous lui disons merci pour la bonne santé. On lui dit merci pour sa protection. On lui dit merci de pouvoir en tous nos besoins. Vraiment, nous lui sommes et nous lui serons toujours infiniment reconnaissant. Que le bon Dieu vous bénisse, les frères, les sœurs, que le bon Dieu vous arrose, qu'elle est entre Dieu, se souvient de vous pour votre fidélité dans ce programme de prière, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour votre zèle et motivation, détermination aussi, et qu'il vous bénisse de partager de temps à autre, c'est-à-dire du fait que vous faites vous fassiez l'évangélisation ensemble avec nous et vous gagnez les âmes au Seigneur. Daigne le Dieu très haut vous bénir, qu'il vous bénisse abondamment. À la présentation, c'est l'homme de la continuité des actes des apôtres, votre humble serviteur le passé Kalala, et l'homme de Dieu répond au plus 1 331 262 49 03. Nous répétons pour une meilleure audition. Votre humble serviteur, le pasteur Kalala, répond au plus 1 331 262 49 03. Ce sont là les coordonnées téléphoniques que vous pouvez utiliser pour rentrer en contact avec nous. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Vous connaissez bien la règle du jeu. Une fois que vous êtes en ligne, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous likez la vidéo ou l'audio. La deuxième des choses, vous pouvez saluer l'homme de Dieu ou bien vous saluer vos frères et sœurs avec qui vous allez participer au programme. Mais la troisième des choses, vous partagez sur votre journal, sur votre mur, pour permettre à tous ceux qui ont l'habitude de jeter un coup d'œil sur votre journal de bien vouloir aussi bénéficier de ce moment de prière. Et enfin, vous partagez dans différents groupes Facebook auxquels vous êtes abonné, vous partagez dans tous les groupes si possible dont vous faites partie. Et puis n'oubliez pas d'être actif ou active pendant l'émission, par vos commentaires pour nous rassurer qu'effectivement, nous ne prêchons pas dans le désert, mais que le message vous affecte aussi. C'est pourquoi, daigne le Dieu Tout-Puissant, que je sers vous bénir et qu'il vous bénisse richement. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Mon frère, ma sœur, j'aimerais maintenant que tu élèves ta voix, que tu dises à Dieu merci. Merci pour ce moment, merci pour sa force, merci pour sa grâce, merci pour sa bonté, merci pour ses bienfaits. Élevons nos voix, exaltons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te célébrons et te magnifions. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'exaltons, Shiloh d'Israël. Nous te bénissons, l'étoile brillante du matin. Nous te glorifions, les ressuscités du troisième jour. Nous te célébrons et te magnifions parce que tu es Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour la santé. Merci pour ta protection. Merci de perturber les plans et projets des méchants.
sur nous, sur nos familles, sur le Tout-Puissant, tous ceux qui en veulent à nos vies. Merci de pourvoir à nos besoins, en ta qualité de Jéhovah, Jéhovah juré, le Dieu qui pourvoit. Nous bénissons ce moment et nous te les recommandons une fois de plus. Merci de prendre des contrôles. Merci de conduire cette réunion. Merci de nous bénir et de nous édifier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, disons gloire et louange à toi Seigneur et Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu de purifier nos cœurs aussi. On va lui dire de purifier nos âmes. On va dire à Dieu de laver nos robes. Il est écrit que ceux qui s'approchent de Dieu se sanctifient davantage. Voilà pourquoi j'aimerais que tu demandes à Dieu de purifier ton âme, ton corps et ton esprit. Il est écrit que tous ceux qui se rapprochent de Dieu se sanctifient, mais qu'ils se sanctifient davantage. Tu vas demander à Dieu de purifier tes pensées. Tu t'es promené le long de la journée, tu as eu à raisonner. Tu as médité des fois le mal contre tes frères, tes amis, tes sœurs qui sont assis tranquillement à tes côtés. Tu as prêté des intentions. Tu as menti, tu as diffamé, tu as calomnié, tu as critiqué. Tu as été méchant vis-à-vis des personnes. Tu as été une occasion de chute pour d'autres. J'aimerais que tu demandes la miséricorde à Dieu. Que tu dises à Dieu de purifier ton âme. Que tu lui dises de purifier ton cœur. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs étonnés, l'éclair matin ou les ombres du soir. Ah oui. Bien-aimé, implore la miséricorde. Papa, nous nous rapprochons devant toi. Nous sommes devant ton trône de grâce pour implorer ta miséricorde. Sois le Dieu qui nous pardonne de tout péché. Sois le Dieu qui purifie nos cœurs, Seigneur. Lave-nous par ton sang précieux. La Bible déclare, quand bien même nos péchés sont plus rouges que du cramoisi, toi tu nous purifies et tu nous laves, nous rendant ainsi plus blancs que la neige. C'est pourquoi je te recommande mon cœur, mon âme, mon esprit, mes pensées, mes propos, mon attitude, Seigneur, le long de la journée, que toute parole, tout langage, toute pensée négative, toute attitude intransigeante, tout acte posé qui ne t'aurait pas plu, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi par ton sang. Je sais que tout est purifié par la parole, mais aussi par la prière. Daigne purifier chacun de nous par le moyen de cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Mon frère et ma sœur, j'aimerais encore une fois de plus que tu dises à Dieu, que tu dises à l'Éternel des armées, de te remplir de son esprit. Il est écrit, ne vous enivrez point de vin, c'est-à-dire ne soyez pas ivre de vin, ne soyez pas sous, mais soyez remplis. Remplis et alors remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela maintenant, chacun de nous va demander à Dieu de remplir son âme, de lui remplir de son esprit, de lui revêtir de sa puissance. Tu diras au Saint-Esprit d'inonder ton âme. Dis Saint-Esprit, inonde mon âme, inonde mon cœur, inonde mon esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, prions, Alléluia.
Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, nous implorons ta plénitude, ta puissance, esprit de sagesse, esprit de sainteté. Sois le Dieu qui nous conduit, sois le Dieu qui nous remplit, sois le Dieu qui nous révèle de ta gloire, au nom puissant de Jésus. Ô éternel notre Dieu, Saint-Esprit, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Shandari Yakora Babaseke. Oh Yakori Yamanara Konda Ibarasei. Merci, merci, merci Saint-Esprit. Désire la plénitude du Saint-Esprit, mon frère. Oh Yabarasa Kandari Yakora Babashike. Shondari Yakori Yamanara Konta Yababale. Shondari Yakora Babaseke. Remplis-moi. Eh Yamanara Konde Yabarasa Karakonta. Rokandaya Babaseke, remplis-moi, remplis-moi, remplis mon âme, remplis mon esprit. Dans les noms puissants de Jésus, l'esprit de sagesse, merci. Merci d'inonder mon âme, merci l'esprit de sainteté. Shekende Ibaba Sakarakonda, Rokaya Barasakaya Kontoroboro Sheke, Shukandaria Kora Babasei, merci. Merci l'esprit de sagesse, merci l'esprit de vie, merci l'esprit de l'éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu vas dire au Saint-Esprit d'utiliser son serviteur. Recommande donc le pasteur Kalala entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur qu'il soit un instrument de une bénédiction pour moi, un canal d'édification pendant cette réunion. Tu vas prier, demander au Saint-Esprit de bien vouloir te revêtir de puissance. Tu vas demander au Saint-Esprit de te conduire, de te guider. Tu vas demander au Saint-Esprit de disposer ton cœur et que ton cœur soit une terre fertile sur laquelle la parole de Dieu sera prêchée et qu'elle produise des fruits. Prions tous ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Nous t'adorons, nous te magnifions et te célébrons. Esprit de sainteté, esprit de vie, esprit d'amour et de puissance. Nous venons à toi maintenant, te recommandant nos cœurs entre tes mains. Sois le Dieu qui nous parle, sois le Dieu qui nous révèle des choses cachées. Sois le Dieu qui nous inspire, sois le Dieu qui nous conduit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de sagesse, esprit de l'éternel, béni sois-tu, le roi des rois, l'agneau immolé des dieux, l'étoile brillante du matin, le rejeton de David. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons, trois fois. Amen. 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 Tu peux m'écrire cela. Trois fois. Amen. 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 Que le bon Dieu vous bénisse. Acclame l'agneau de Dieu. Acclame l'étoile brillante du matin. Acclame le rocher des âges. Acclame le ressuscité du troisième jour. Gloire au Seigneur. Mon frère et ma sœur, nous allons prier par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à la destinée. Nous allons prier par rapport à la vision. On va également prier par rapport aux obstacles de celle-ci. Comme la semaine passée, on avait essayé un peu de parler sur le phénomène équilibre, on va peut-être évoluer dans le même sens, mais aujourd'hui, en parlant beaucoup plus de nos vies, de nos étoiles, de nos promesses, de nos destinées, et de ce que Dieu a planifié pour nous, comment vivre et comment gérer toutes ces choses-là. Beaucoup de personnes sont induites en erreur,
par certaines prédications que nous avions tous eu à entendre, par certains cantiques que nous avions eu à chanter. Mais avec le temps, le Seigneur, ne cessant de nous révéler des choses, ne cessant de nous enseigner par son esprit, il a permis qu'on comprenne que nous chantions des fois aussi des erreurs. Et c'est comme ça, dans la vie de tout enfant de Dieu, c'est-à-dire nous grandissons du jour au lendemain. Il y a des choses qu'on a cru être vraies hier, mais avec le temps, le Saint-Esprit peut également nous enseigner, nous dire le contraire. Quelqu'un se poserait la question de savoir, mais finalement, est-ce qu'on continuera encore? Peut-être que ce que vous prêchez encore aujourd'hui sera toujours faux. Ce sera encore considéré comme faux demain. Bien aimé, pas nécessairement. Mais si nous pouvons lire les Saintes Écritures, on a vu que la compréhension, c'est comme la nature elle-même d'ailleurs, ne vous enseigne-t-elle pas? Dans ce monde-ci, quand nous allons à l'école primaire, je pense, même à partir de maternelle pour des institutions scolaires bien instruites et bien avancées, on apprend déjà la notion des calculs. Et à l'école primaire, on nous dit 1 plus 1 égale 2. 2 moins 1 égale 1. Mais on nous dira que 1 moins 2, c'est impossible. Cette notion est vraie pour tout enfant qui est à l'école primaire. Cette notion est indiscutable pour tout enfant qui peut-être est dans une école maternelle bien organisée et bien avancée. C'est une notion élémentaire que nous avions acceptée comme ça. Le maître à l'école primaire nous apprend cela. Bien que lui-même étant passé cette étape, sait que ce n'est pas vrai. Mais du moins, la réponse qu'il donne à un enfant à cet âge-là, 1 moins 2, c'est impossible. Mais le contraire, ça fait 1. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Amen. C'est une vérité. Quand le même enfant à qui on a appris cela avance un peu plus loin, il est en secondaire. Le professeur de mathématiques vient. Il apporte encore ce qu'on appelle par la révélation. Il lui dit exactement ceci. Vous aurez appris, quand vous étiez jeune, 1 plus 1 égale 2, 2 moins 1 égale 1, et que le contraire était impossible. Mais aujourd'hui que vous avez grandi, je vous montre et je viens vous informer que 2, plutôt 1 moins 2, n'est pas du tout impossible. Mais 1 moins 2 égale moins 1. Est-ce que vous voyez? Donc, la connaissance s'acquiert au fur et à mesure. C'est pourquoi dans les Saintes Écritures, quelqu'un me dira, papa, là tu es dans la science, dans le monde. Dans les Saintes Écritures, nous avions vu Jésus-Christ physiquement sur terre, enseignant aux disciples la notion du baptême. Il dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Baptisez les gens au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint, du Saint-Esprit. Des sons vivants sur terre, tous les disciples de Jésus n'ont fait que baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais après, dans les Actes des Apôtres, lorsqu'ils furent baptisés du Saint-Esprit, ils ont atteint le niveau supérieur, c'est-à-dire secondaire, le professeur de mathématiques est venu, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit, va leur enseigner et va leur apporter beaucoup plus d'éclaircissement. Le Saint-Esprit leur dira qu'au fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Il leur dira
que ça ne vaut pas la peine de faire encore le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'il vous a déjà lui-même enseigné que lui et son Père sont un. Il vous a enseigné que le Saint-Esprit, c'est lui-même. Il dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, et quand je reviendrai sous la forme de l'Esprit Saint-Esprit, je vous enseignerai encore toutes choses. Et c'est mon consolateur, mon ami, mon tout. Bien-aimé dans le Seigneur, il a appris la notion de l'unité, mais les disciples n'étant pas remplis du Saint-Esprit, ne comprenaient pas. Mais lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, ils ne pouvaient plus poser la question comme Nathanaël qui dit, montre-nous seulement le Père et cela nous suffit. Vous voyez que vers la fin de la mission, Jésus se rend compte, mais finalement, on va comprendre des gagatés. Jusqu'alors, Nathanaël, tu n'as pas pu comprendre qui est le Père. C'était maintenant là que tu me poses encore la question de savoir, mais montre-nous le Fils. C'est lui qui a vu le Père, il m'a vu. Moi et le Père, nous sommes un. Et le Saint-Esprit a martelé là-dessus. Les disciples, dans les Actes des Apôtres, vous pouvez lire du premier verset jusqu'au dernier, vous n'allez pas voir un endroit, un seul verset, où les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais la Bible dit, tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi aujourd'hui, je viens te dire une chose. Un Fils de Dieu qui a les promesses de Dieu peut aussi être tué. Un Fils de Dieu qui a les promesses de Dieu peut aussi se retrouver emprisonné. Un Fils de Dieu qui a les promesses de Dieu peut se retrouver aussi avec une destinée amputée. Il ne suffit pas que d'être Fils de Dieu et porteur de promesses. C'est ainsi qu'on a chanté certaines chansons. Moi ne laka akufakate. Moi ne laka akufakate. Bien-aimé dans le Seigneur, je te pose la question pour aller déjà vite en besogne, parce que ce n'est pas une émission d'enseignement, mais c'est beaucoup une émission de prière. Mais nous autres, on pose toujours la parole de Dieu, le fondement, pour que la prière soit basée sur la bonne parole. Et une prière puisse avoir un soubassement qui est la parole de Dieu. C'est la prière qui est exaucée. La prière qui est exaucée. Et c'est celle qui monte devant le trône de la grâce. Je vous pose la question à nous ou à vous qui chantez et qui priez. C'est le Fils de la promesse ne meurt jamais. Le Fils de la promesse ne meurt jamais. Oui. Pouvez-vous me répondre si l'apôtre Jacques était un fils de la promesse ou ne l'était-il pas? L'apôtre Jacques, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, on nous parle de la mort de l'apôtre Jacques. On l'a décapité. Pendant qu'il prêchait encore l'évangile, mais on l'a tué. Est-ce qu'il était un fils de promesse ou ne l'était-il pas? Parce que nous voyons que même dans l'équipe de Jésus, il était parmi les colonnes de l'église. On le voit parmi l'équipe de Jésus, il a fait partie des trois personnes que Jésus a amenées à la montagne de transfiguration. Il a vu Élie, l'apôtre Jean, il a vu Moïse, et il a vu Jésus. Il ne suffit pas que d'être disciple. Il y a des disciples qui ont la capacité de suivre les enseignements ordinaires, mais il y a également une dimension où le Seigneur vous amène. Il vous conduit où? À la montagne des transfigurations. Il y a des serviteurs de Dieu, des fils de Dieu et des filles de Dieu qui voient autre chose, qui voient des choses que tous les autres ne voient pas. Si vous posez la question à Luc, parlez-nous un peu de la transfiguration à la montagne. Il va vous relater ce que les amis ont dit, ont vu, parce qu'il n'était pas là. Et vers la fin de la mission de Jésus, voulant poser les fondements sur la vie des prières, voulant poser les questions sur les tentations, les épreuves et la coupe amère,
Comment faire face à des moments difficiles où les choses deviennent compliquées, les combats s'empirent, où vous commencez à ressentir de l'angoisse et de la tristesse? Quelle attitude afficher? Il n'amène pas tous les disciples. Les autres vont rester, je ne sais pas, à la base de la montagne ou je ne sais où. Mais il conduit ses disciples au jardin appelé Gethsémané. Un jardin, un lieu de prière. Il les amène là-bas. Ils étaient encore au nombre de trois. Parmi lesquels, l'apôtre Jacques. Celui qui a été tué par un méchant. Par un occultiste. Par un sataniste à la personne du roi Hérode. Il a donné l'ordre qu'on le tue. Et il est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne viens pas te demander, te pousser à faire naufrage par rapport à ta foi en Dieu. Par rapport à tout ce que tu as écouté, ça peut te faire plaisir. C'est-à-dire le fils de la promesse ne meurt jamais. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Alors ne sois pas étonné que le pasteur Kalala t'apporte autre chose que ce que tu as toujours entendu, ce qui t'a toujours fait du bien. Je pense que si je disais encore, je commençais par là. Tu es un fils de promesse, tu es une fille de promesse, tu ne mourras jamais. Je pense que tu aurais pu dire amen, amen. Ça va te faire du bien. Mais est-ce que vraiment c'est ce que Dieu nous a enseigné? La parole de Dieu nous montre autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons vu dans les Saintes Écritures un fils de la promesse dans l'Ancien Testament perdre ses entreprises. On a vu un fils de la promesse perdre des enfants. On a vu un fils de promesse à la personne de Job perdre ses entreprises, perdre ses enfants, perdre sa santé. Je ne suis pas en train d'encourager les mauvais événements, des souffrances et autres, mais je vous parle de la parole de Dieu, la pure parole et la vérité. On a vu dans les Saintes Écritures Jean-Baptiste. On a demandé sa tête. On a mis sur le plateau un grand prophète. Jésus-Christ dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas un plus grand que toi. Tu es le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. C'est-à-dire que Batunios Namukilio, R. Jésus a balancé Bangwa, mais qui a pesé à Bekiba, bishop, archibishop, archipape. Jésus a lobby, il n'y a pas un qui soit plus grand et plus fort que Jean-Baptiste. Mon frère et ma soeur, j'aimerais que tu me donnes quelques partages. Partage parce qu'on va prier et ce moment de prière va affecter la foi de quelqu'un. Sera vraiment un temps bénéfique pour une femme, pour un fils de Dieu qui me suit en ce net moment. Permet à quelqu'un d'être connecté, permet à quelqu'un d'être branché. Alors si vous êtes là avec moi, j'aimerais vous voir réagir. Ne soyez pas de ceux-là qui viennent comme pour les observateurs. Soyez là pour participer. Participez, réagissez, rassurez-moi que vous me captez 5 sur 5 et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. N'oubliez pas notre principe, celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Kebozono mwana na nzambe, mais te rendre classé dans catégorie, il y a ba ramasi, il y a ba dongolomi, so ba ko checker, ko vérifier, c'est comment là-bas. Alors que toi, tu ne viens pas dans cette intention. Toi, tu viens vraiment pour prier en tant que fils de Dieu et en tant que fille de Dieu. Alors, il faut participer, qu'on soit d'un commun accord. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous bénisse richement. Bien-aimé en Christ, Samson se retrouve avec les yeux crevés, batobolier mis sous tort. On va lui ligoter les mains. Job a frôlé la mort. Pourtant, il était fils des promesses. Abraham, on lui a ravi sa femme. Pourtant, il était en alliance avec Dieu. Élie a couru des kilomètres en pleurant. Alors qu'il était loin de l'Éternel, et Dieu l'a répondu plusieurs fois par le feu.
Donc, c'est des choses qu'un enfant de Dieu doit comprendre et connaître. Il n'est pas dit que quand tu es fils et fille de Dieu, c'est fini. Il faut savoir une chose. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Jésus-Christ de Nazareth enseigna à ses disciples sur comment prier. Il donne tout ça comme explication. Il dit, Yaya, tango bobana rosambela, bobo sanate kolobana, papa na bino afandi na likolo, tata, bate la biso, toko ya te na mitambo, ya mouini satana. Pour ceux qui ne comprennent pas les lingala, je disais, Jésus-Christ de Nazareth, descend vivant sur terre, répondant à une question de ses disciples qui lui demandent, papa, apprends-nous à prier. Jésus leur dit ceci. Lorsque vous serez là, ici, dans ce monde, comme vous n'êtes pas de ce monde, dites à votre papa qui est au ciel, Père éternel, ne nous induis pas en tentation, ne nous exposez pas entre les mains de l'ennemi et qu'on ne tombe pas dans son filet ou dans ses pièges. C'est-à-dire que Jésus savait qu'il laissait ses enfants dans un monde rempli d'insécurité et de toute forme de méchanceté et que tous les coups étaient permis. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu te bénisse, toi qui comprends. Donc Jésus savait lui-même que le monde dans lequel il nous laisse, ce n'est pas un monde où nous sommes en sécurité. C'est un monde où nous sommes en insécurité parce que notre ennemi, le diable, c'est celui-là qui est le prince de ce monde. Et comme il est esprit, il travaille par des hommes. Il travaille par des femmes. Il se sert des hommes et des femmes pour opérer. C'est ce qui fait que tous ceux qui sont d'ailleurs fils des promesses, qui détiennent les promesses de Dieu, qui sont en alliance parfaite avec l'Éternel, ces gens-là, mes frères et sœurs en Christ, sont les personnes les plus exposées. C'est-à-dire qu'un fils de Dieu ne doit pas vivre en oubliant ces choses. C'est l'enseignement de Jésus. Il dit, vous serez haïs de tous et persécutés. Le diable, il rôde tout autour, cherchant qu'il pourra détruire. Mais comme il est esprit, tu ne le verras pas. Il se sert des hommes et des femmes, à l'instar d'Hérode à son époque, à l'instar du roi Pharaon à son époque, à l'époque de Moïse, à l'instar d'Hérode à l'époque de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, à l'instar de Jézabel à l'époque de Samson. Il va se servir de Jézabel, bien-aimé Seigneur, plutôt de Delilah à l'époque de Samson, de Jézabel à l'époque d'Akab et du petit Naboth. Il va se servir de plusieurs personnes pour empêcher aux fils et aux filles de Dieu de vivre paisiblement sur cette terre et d'accomplir leur mission. Donc, quand tu deviens fils et fille de Dieu, comprends que tu es au front. La vie chrétienne est une vie de combat. La vie chrétienne est une vie de lutte. La vie chrétienne est une vie où il faut être prudent et éveillé. Voilà pourquoi il dit, veillez et priez. Ce n'est pas veiller des nuits de prière nécessairement. C'est l'état d'éveil. C'est pourquoi la Bible dit encore, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Soyez prudents. C'est lui qui dit encore aux disciples. Soyez humbles comme la colombe, mais prudents. Prudents. Comme les serpents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, que Dieu te bénisse mon frère, toi qui comprends. Que Dieu te bénisse ma soeur, toi qui comprends. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui comprends. Mais comme ça ne te fait pas plaisir, tu fais les sourds d'oreilles, qu'il te bénisse aussi également. Toutefois, tu es libre d'émettre ton point de vue. Mais que ce ne soit pas dans l'esprit de troubler ou de traumatiser le prédicateur pour qu'il pense que toi, tu ne comprends pas, que tu as un problème de connexion alors que tu me suis très bien. Là, tu seras en train de jouer le rôle du diable. C'est-à-dire que tu es en train de perturber. Tu veux perturber, n'est-ce pas, la psychologie du prédicateur. Donc, je disais ceci, mon frère et ma soeur. Jésus lui-même, il nous parle des conditions d'insécurité, des conditions difficiles, parce que le monde dans lequel nous sommes entourés
de l'ennemi qui est le prince, qui est le prince de ce monde. C'est alors qu'il a rassemblé ses acolytes dans toutes les époques, comme je vous ai cité là. Depuis le début, il s'est servi des gens pour accomplir sa mission. Dans la famille principale, il s'est servi des gens. Jésus-Christ réitère en disant, ses ennemis, vous allez les voir. Les fils du diable, vous allez les voir. Ceux qu'il utilise pour opérer. Vous n'allez pas les voir d'abord dans le quartier ou dans la communauté ou à la compagnie où tu vas travailler. Ou bien dans des mutualités. Premièrement, ses ennemis, ses agents, tu vas les retrouver où? Au sein de votre famille. Dans la cellule de base d'une société, d'une nation. Na katia libo, ya libota. Il dit, l'homme aura pour ennemi, premièrement, les gens de sa propre maison. C'est pourquoi depuis le début dans Genèse, on a vu que le diable ne s'est pas servi de quelqu'un d'autre pour tuer. Le premier mort sur cette terre, on l'appelle Abel. Tamsoye Barate. Comment est-ce qu'il est mort? Et pourtant, Abel, c'était le choix de Dieu. La Bible dit, Dieu l'avait approuvé. Il était en alliance déjà avec Dieu à travers son offrande. La Bible dit, Dieu fit un regard favorable à Abel, mais aussi à son offrande. C'est qu'à dire, moi, mais regardez comment est-ce que l'ennemi qui était sur la terre a vu que le petit est en train de récupérer l'alliance avec son Dieu. Pap! Il est passé par Caïn. Où? Un membre de famille pour amputer sa destinée. Donne-moi un amen très bien que j'avance et nous allons prier bien parce que tu penses que tu es en train de comprendre. Je suis très simple mais clair et précis. L'ennemi passe par un membre de famille depuis Genèse. L'homme aura pour ennemi qui? Premièrement, les gens de sa propre maison. Je ne suis pas en train de parler seulement des morts physiques ou bien des. Non, non. Je parle de la destruction. Quand on parle de la mort, c'est-à-dire que c'est la destruction de tout ce qui vit. Dans la mort, je vois la mort de tes activités, la destruction de ton foyer, la mort de ta vie physique, la mort de ta spiritualité, la mort de tout ce qui respire chez toi. Depuis lors, il s'est servi des gens pour mettre fin au vice. Aux vies des fils et des filles de Dieu. Mais ma prière ce matin, c'est que étant éveillé, qu'on ne lui rende pas la tâche facile. Et c'est possible que nous puissions prier le Seigneur de sorte qu'il n'accomplisse pas sa mission sur nous. Et c'est ce que Jésus apprend aux disciples dans la prière de notre Père. Il dit, lorsque vous priez, demandez au Père qui a les capacités, toutes les capacités, on l'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il est capable, je dirais encore même plus que capable, d'empêcher à l'ennemi Satan, avec tous ses acolytes, de mettre une fin tragique aux vies des fils et filles de Dieu, à condition que nous, là, nous puissions appliquer la parole de Dieu, que nous la mettions en pratique comme Jésus nous l'a recommandé. C'est pourquoi sors un peu des habitudes, sors des, on appelle ça comment, des coutumes, sors des systèmes archaïques et des forteresses, sors des mondes de vie, sors des religions, etc., sors des philosophies. La parole de Dieu, ce n'est pas ça, mais sois dans la parole de Jésus, ce que Jésus a dit, c'est ce que toi tu dois croire, c'est ce en quoi tu vas croire, c'est ce que tu dois appliquer. Jésus lui-même, il dit ceci, quand vous priez, dites à votre Père, ne nous livrez pas entre les mains de Satan. Ne nous exposez pas dans tous ces pièges. Préservez-nous du malin. Battez la bisso, bomba bisso, pelongi sa bisso. Deuxièmement, il dit ceci, c'est fort possible que vous tombiez aussi. Vous choquez déjà dans ma boue qu'on aille. Soit par le péché, soit également à travers ses coups. A betio penda fimboué. Célibat endurci. A betio penda boué stérilité. A betio boué maladie dans d'autres. A betio boué envoûtement. A betio boué problème sérieux. Quand tu es déjà dedans, ne te décourage pas non plus. Parce que tu as un père qui veille sur ses fils. Il faut invoquer ton père en lui disant, délivre-nous du malin.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes ces deux notions, Jésus-Christ nous donne comme des garanties parce qu'il savait que le monde dans lequel nous sommes, même si tu es porteur de promesses, tu vas croiser le diable sur ton chemin. Voilà pourquoi je bénis le frère Aimé Kanou, chantre de l'Éternel, qui a fait... Je demanderai encore à ce frère de nous faire encore des paroles comme il en avait l'habitude dans les jours passés, les années passées. C'est un frère qui donne des bonnes paroles. Je prie encore que Dieu l'inspire davantage. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu ne croises pas le diable sur ton chemin, sache bien que tu fais route ensemble avec lui. Donc le frère a compris que tout fils de Dieu et toute fille de Dieu est appelé à croiser l'ennemi sur le chemin, sur son chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, Jésus-Christ, nous appelle à la vigilance, mes amis. Tika kolo ta ke nazaya nzambe sans effet et si mangatin et aussi mbayote mais faut ça la makambo yeso zo ba ke osa la po si mbayote. Les bénédictions, les finances, la faveur, les honneurs, la gloire, le succès, la réussite, même les bonnes prédications, ce n'est pas une garantie. L'attitude du maître, premièrement, la crainte de l'Éternel, deuxièmement, la prière et savoir orienter tes prières. Je ne suis pas en train de dire que le diable est fort et plus puissant que nous, les chrétiens. Je suis en train de dire que notre attitude aussi peut faire qu'il puisse avoir de l'avantage sur nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Ne donnez pas l'avantage à l'ennemi. Ne donnez pas l'accès au diable pour qu'il puisse avoir l'avantage sur nous. Pour la Zolobango, pour la comprendre, que Oikopé c'est avantage. Ah, entraîneur Ibenge ya kosunganga expliqué batoy OK ce qui équipe nayo ils ont défense à Kopola et au pays avantage na benemi alors qu'au pays avantage dès na camp adverse à travers des enseignements comme ça les gens rentrent dans la distraction et le diable les fils des diables et ils opèrent chaque jour bazo marqué babi. Et j'ai dévoilé l'une des stratégies à Mikolo. Attaquer tous les agents, tous les prédicateurs, tous les serviteurs, tous ceux qui font ce qui marque des buts pour coincer Bango. Je prophétise sur quelqu'un que Dieu te donne la capacité de dribbler 3-4 dans une équipe de football. Moi, là-bas, j'ai eu grand joueur à PC 2, 3. Je me souviens du vieux Roger Mila. Camerounais, à ta péché 3, à Banalabango, bang, pou, à tout à bango, c'était la brutalité, la vitesse. Tiakiko Chabi, yo gardien Sakanya, boto le pas marqué. Je prie que le Dieu Tout-Puissant te communique la vigueur du buffle. La Bible déclare ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel Dieu leur donne la vigueur du buffle, la force et la vigueur du buffle. Deuxièmement, il leur donne la capacité de voler plus haut comme les aigles. Je prie ce matin que Dieu te donne cette force. Toi qui as compris que tu n'as pas croisé les mains parce que tu es fils de la promesse et que le diable ne te touchera pas, mais tu as compris que tu as ta part à toi des responsabilités à jouer, là, ta part à accomplir, ta tâche à accomplir, c'est de se confier en l'Éternel. Premièrement, se confier en Dieu pour récupérer la force. Pour récupérer la capacité de voler comme l'aigle. Déjà, tu es en train d'échapper. Je dis bien d'échapper aux ruses et aux calculs maléfiques et machiavéliques de l'ennemi. Je déclare et je prophétise dans les noms puissants de Jésus-Christ que l'ennemi ne soit pas capable de te toucher parce que tu te confies en Dieu. Corps, âme, esprit, jours et nuits, tu te confies en Dieu. Dieu te donne les ailes de l'aigle. Comme tu te confies en ton Dieu, que Dieu te donne aussi la force et la vigueur du buffle. Il faut suivre les documentaires. As-tu déjà assisté au combat entre les lions et les buffles? Bien qu'ils soient les chefs de la forêt ou bien de la savane, mais laissez-moi vous dire, mes amis, Bitumba entre Pakasa.
Nankosi. C'est pas facile. Hein? Au moins la peine d'un qui azo pico la peine d'azo tombe la lion a tout tiré l'issue que lion mati le couloir wa la boaki. La vigueur du buffle. Le buffle capable à travers un coup de tête. Il fait tomber les bois, les baobas. Un arbre plus grand comme les baobas, ça s'écroule parce que le buffle est rentré derrière. Il s'est concentré. Il vient en vitesse. Il cogne comme ça. Il se heurte contre les quoi l'arbre appelé baobas. L'arbre s'écroule. C'est ça la force que Dieu te communique chaque fois que tu te confies en lui. C'est pourquoi il dit, petits enfants, ne les craignez point. Donc, tu as compris que le pasteur Kalala n'était pas en train de te communiquer la peur, mais il était en train d'attirer ton attention sur un fait. Ne sois pas distrait. Jésus-Christ dit, soyez humble comme la colombe, mais prudent comme les serpents. Commençant d'abord par être prudent, même dans ta propre maison, dans ta famille. Que ça soit restreinte tout comme élargie. Parce qu'il nous a encore dit, l'homme aura pour ennemi premièrement les gens de sa maison. Nous allons commencer par nous confier à l'Éternel ce matin. J'aimerais que tu élèves ta voix déjà pour dire à Dieu Yahweh, vivant dans un monde comme celui-ci, ton serviteur vient de m'interpeller, de m'ouvrir l'œil, de m'ouvrir l'esprit en balayant la Bible. Il m'a fait comprendre qu'il y a de quoi chaque matin, chaque nuit, qu'on se confie en toi. C'est pourquoi je viens ensemble avec mes bien-aimés, me confier en toi. Ne te confie pas à ton pasteur. Ne te confie pas à ta maman, ni à ton père, ni à tes finances. Il y a des ceux-là qui se confient dans l'argent, dans le bien matériel. Beaucoup en avaient, ils sont partis. Ne te confie pas à ta connaissance, homme de Dieu. Mais confions-nous tous en l'Éternel et nous serons forts. C'est pourquoi ce matin, je viens t'inviter à te confier en Dieu. Que Dieu fasse de toi un homme fort devant tes ennemis. Quand tu te confies en Dieu, il te rend fort. Tu peux ne pas voir les moyens matériels. Tu peux ne pas voir de l'argent. Tu peux ne pas être fort avec tes biceps. Mais Dieu est celui qui te rend fort devant l'ennemi. Tant spirituel que physique. C'est pourquoi je te prie, toi qui es véritablement disciple du Seigneur, fils de promesse, de prendre tes belles minutes chaque matin, chaque midi, chaque soir, même pendant que tu te promènes en cours de route, tu es au volant, tu te confies en l'Éternel, Dieu te sécurise. La Bible dit, nous sommes morts et nos vies sont cachées avec Dieu dans les lieux célestes. C'est pourquoi je m'aimerais maintenant que tu recommandes ton corps, ton âme et ton esprit en Dieu. Que tu dises à l'Éternel, je viens me confier en toi. Sois le Dieu qui veille sur mon corps. Sois le Dieu qui veille sur mon âme. Sois le Dieu qui veille sur mon esprit. Je ne vois pas ton amen. Je ne sais pas si je parle à un fils de Dieu. Je ne sais pas s'il y a un disciple du Seigneur ici et qui est en train de m'écouter. J'aimerais que tu te confies en l'Éternel. À moins que tu sois un ramassis, envoyé pour nous espionner. Mais si tu es disciple du Seigneur, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu te confies en lui. Tu as compris le monde dans lequel tu es. C'est un monde plein d'insécurité, un monde plein de méchanceté, un monde plein de haine, un monde où on peut facilement gâcher tout ce qui est à toi. On détruit, on étouffe tout ce qui vit et tout ce qui opère. J'aimerais que tu élèves ta voix maintenant, que tu dises à Dieu, Papa, je viens m'abandonner entre tes mains. Je viens me confier en toi. C'est toi ma force. C'est toi ma protection. C'est toi mon bouclier, mon rocher. Nous avions vu, bien-aimé, dans la vie de Job, aussi longtemps que Dieu les protégeait, Satan a fait des tours pour les détruire, mais il n'a pas pu. La Bible dit, quand Dieu convoqua une réunion au ciel, Satan est venu se présenter en se plaignant. Yaya, azol le la loko la moana moke. Habite chaque fois que n'a le bando qui n'est pas simba Job. Ndekonanga, Nzambe, yo bando batelaye. Voilà pourquoi on a salarié. Laisse-moi te dire, mes amis, aussi longtemps que Dieu te protégera, ah, Satan a la source au dos dans Moulangi. L'intention à récupérer un peu, Satan a kacha Moulangi. Moulangi a fermé hermétiquement. Je te dis des choses. Si tu peux apprendre à te confier en Dieu, corps, âme, esprit,
l'ennemi viendra à banaro doda doda kaka azo doda kaka memulangi a mon année yo mais moi ya simbo ezate parce que ta vie est cachée avec Dieu dans les lieux célestes. Élève ta voix, confie-toi à l'Éternel maintenant. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, tendre Père, me voici. Dieu tout-puissant, me voici. En train de conduire ce peuple que tu as mis à ma disposition ce matin, en train de leur montrer les chemins du succès, les chemins de la protection, de la réussite. Papa, nous voici devant ton trône. Nous venons nous confier en toi. Ta parole nous montre clairement que sans toi, nous ne sommes rien dans ce monde. Et Yahweh, comme des êtres faibles, comme des personnes sans force, sans puissance, nous nous rapprochons de ton trône, te recommandant ainsi nos corps, nos âmes et nos esprits. Sois le Dieu qui veille sur nous. Sois le Dieu qui nous protège. Sois le Dieu qui nous préserve du malin. Sois le Dieu qui veille sur nos corps, nos âmes et nos esprits. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne valons rien. Père éternel, nous nous confions en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce monde est perdu. Ce monde est perdu. Je me suis promené pendant le travail que je faisais. J'entends des jeunes gens qui, eux, se confient dans des armes. Mais laissez-moi vous dire que, braqueurs de leur état, ils se tuent, ils s'entretuent tous les jours entre eux. Et ils se moquaient d'un jeune. Et ils disaient, mais regardez celui-là, il prend soin de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas des armes pour les sécuriser. Il n'est pas dans un groupe de gangsters pour les protéger. Il n'est pas ni dans la police pour les sécuriser. Et il prend soin de lui-même. Dans le cœur, je riais, j'ai dit, Seigneur, si tu pouvais permettre à ces gens de comprendre que la vraie protection, ce ne sont ni les armes qu'ils portent sur eux, ni des drogues qu'ils prennent, ni la police, ni l'armée. Ah, je me suis souvenu de mon feu président, le maréchal Mobutu, qui avait la garde civile, qui avait les bérets rouges, parmi les présidents qui étaient forts militairement. Mais le jour où la maladie est venue, bien-aimé, aucune de ces gardes du corps n'a pu barrer la route à la maladie. Ah oui. C'est pour cela, bien-aimé, pendant que je parle, il se pourrait que tu places ta confiance en ces choses. Je suis né d'une famille de ceci. Je suis dans telle écurie des braqueurs. Je suis dans une écurie des malfaiteurs. Je suis sécurisé par des soldats. Je me promène avec mes gardes du corps. C'est bien tout ça. Dans la forme, c'est bien. Mais si tu n'es pas protégé par Dieu, devant l'ennemi, le diable et Satan, tu n'es rien. Job bénéficiait d'une protection surnaturelle. Dieu, tu ne les vois pas, mes amis. Ah, il a préféré d'être caché et effacé. Mais cependant, il est là. Pendant que les affaires de Job émergeaient, pendant que les activités de Job montaient, pendant que ça avançait, tu comprends, il t'a dit, j'écoute mon ami. C'est seulement Dieu veut que tu te répandes. Hein, que tu te répandes, mon frère. Je ne suis pas contre toi, mais répands-toi. Job, mes frères et sœurs en Christ, Job, pendant que ses affaires réussissaient, c'est vrai, il priait, mais il ne voyait pas cette présence d'armée angélique qui sécurisait ses affaires. C'est la maladie avec beaucoup d'enfants de Dieu. Et
une armée forte. Pendant toutes les années où Satan venait voulant détruire la vie de Job, Job n'y savait même pas. Mais il y avait une armée qui les sécurisait. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et qui espèrent en sa bonté pour arracher leur âme, un, du danger, deux, leur faire vivre dans la famine. Donc Job n'était pas pauvre parce qu'il y avait les anges de Dieu qui veillaient sur lui. N'oubliez pas que Job fait partie des personnes les plus intègres de la Bible. On parle de Job, de Noé et de Daniel. C'est ce que la Bible nous dit. Donc mes amis, ils bénéficiaient de la présence angélique. Et ce n'est pas Dieu qui les dit, c'est Satan qui se plaint. Il dit chaque fois là-bas, Néoïa, pour nous détruire, nous devons croiser barrière. Donc je rencontrais une résistance. Je t'ai dit que c'est Dieu n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais que chacun de nous, maintenant, qui a pris à se confier à l'Éternel, qu'on vient de le faire là, que tu fasses encore une deuxième demande. La condition pour bénéficier de cette protection. Premièrement, la crainte de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que nous nous rapprochions du trône de la grâce encore une fois de plus. Pour dire à Dieu, Papa, communique-moi ta crainte. Très souvent, nous ne bénéficions pas de cette protection parce que nous ne le craignons pas. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Craindre Dieu, c'est quoi? Reconnaître que tu es pécheur et que lui est véridique. Reconnaître que toi là, tu ne peux rien sans lui. Reconnaître ses voies et les mettre en pratique. Les mettre en pratique, mes amis. Dire à Dieu que j'ai la peur de faire du mal à mon prochain. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ne pas mentir à ton prochain. La crainte de Dieu, c'est quand tu n'es plus dans les choses où tu es en train de diffamer contre les autres. C'est pas des dieux. La crainte de Dieu, c'est le fait de ne plus être jaloux. Tu combats quelqu'un parce qu'il est réussi. Tu combats quelqu'un parce qu'il fait bien son travail. Tu combats quelqu'un parce qu'il a un bon mariage. Tu combats quelqu'un parce qu'il a des enfants, toi tu n'en as pas. Tu combats quelqu'un parce qu'il s'est marié et toi tu es encore célibataire. Tu combats quelqu'un parce qu'il parle bien. Tu combats quelqu'un parce qu'il est propre. Bien-aimé, ça ce n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est obéir à ses ordonnances. Dieu te demande de soutenir les pauvres, soutiens les pauvres. Dieu te demande de donner la dîme, paye la dîme. Dieu te demande de soutenir l'œuvre de Dieu, soutiens l'œuvre de Dieu. Dieu te demande de bénir ses serviteurs, bénis ses serviteurs. Mais quand un serviteur de Dieu commence à être béni, parce que toi tu fais partie des personnes qui l'ont béni, au moment où tu as mon thème à papa m'a reçu, maman m'a reçu, je suis une église. Le pasteur là, il est gonflé pour rien. Moi, il veste en abéti, ensemble, on a super 120 ans. C'est moi. Sans moi, il n'est rien. N'écoute qui a rendu Zarabi, n'a pas reçu, Nzuluka, Islama, il n'a pas qu'il a. Baba, super sans obéti, à Mikoloana, c'est moi. Il est gonflé pour rien. Ce but, ce n'est pas ma mingi. On a dit que papa Moïse m'a tout à l'heure. Mais ce qui est sauté. Mais tout bon. Je parle de la crainte de Dieu. Vous avez reçu la crainte de Dieu. Pasteur à Bébis. Pasteur à Tchara Bololo. Congo Bololo peut soigner à palu, malaria, paludisme. Malaria. Congo Bololo. Papa m'a dit, banda qui bien y a robé puis ça va na babiloko. Nazo bongis. Nazo bongis. La crainte de Dieu condition sine qua non. C'est pourquoi j'aimerais que nous demandions à Dieu cela. Nous tous là tels que nous sommes, de par notre nature, nous avons le péché en nous, dans nos membres. Et tonda paquet. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, au moins, papa n'a béti li bakou. Le pasteur on a béti nga li bakou mwen. Pasteur on a abotama na maina makilat. Il est descendant d'une famille, non?
Il a un père qui était peut-être chef coutumier. Le père de ton pasteur, là, il était chef du village. Or, au village là-bas, tu ne veux pas être chef du village et avoir une seule femme. Donc, la vie de son père, il fit chef du village, chef de famille. Il avait 3, 4, 5, 6 femmes. Or, lui, il a hérité de ce sang-là. Il est venu maintenant, on lui a parlé de Jésus, il commence à prier. Mais dans son sang-là, le sang, c'est toujours le sang de son père-là qui règne encore. S'il y a des choses, la vie qui était dans son père, ce que lui n'a pas déraciné, qui n'a pas tué, cette vie va continuer encore. C'est pourquoi tu vas voir, il a maman pasteur à la maison. Mais toi là, tu viens comme tiroir. Hein? Tu viens à l'église pour prier, mais tu te transformes en tiroir. Tu deviens pina réserve. Il y a maman pasteur. Ça se passe où dans l'église? Maintenant, quand tu vas voir, il récupère notre soeur, comme ce que Abed Singa Libakou, Nayonde Libakou, t'es maintenant soeur, monsieur, comme Libakou. Sorcière, répands-toi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi l'apôtre Paul, bien aimé, moi je vous prêche la vérité. Tous les hommes que tu vois là, ils proviennent des familles. L'apôtre Paul, il est venu en Christ. Il est tombé sur le chemin de Damas, à Monnier, sous forme d'une lumière, à Kouéi. 3 jours d'aveuglement, il n'a pas vu. On envoie Ananias. Ananias l'ouvre les yeux, le vieux Ananias. Il prie pour lui. On le baptise d'eau. Il est né de nous, de nouveau, non? C'est comme ça qu'on appelle. Motamabo, Akufana Yesu, na sekina Yesu, maya bateme, masumu etikali, ouais. Etikala qui non? Mais R. Paul, sur quoi bandit au 100 000? Il remarque quoi dans ses membres? Il pleure. Il dit, misérable que je suis, qui va me délivrer de cette vie du péché? Abombe le bisout. Jou tokou tane l'école, na ba vie, fongo l'anan. Ba masumu et l'ennignon. Il dit, dans mes membres, il y a encore la vie du péché qui règne. Dans le vieux Paul, fongo la bisonan, les agni, mamba amomi, mamba anzadi, deuxième mamba loko sombo. Et c'était l'impudicité, l'adultère, la fornication, c'était la convoitise des yeux, ou bien c'était la cupidité. C'est Paul qui l'a dit dans les Corinthiens, là-bas, dans les Romains. Il est déjà apôtre. Mais dans ses membres-là, il a la loi du péché. Il dit, le bien que je veux faire, je me retrouve dans l'incapacité de le faire. Mais le mal que je ne veux pas, n'est pas ça. Ce papa n'a dit qu'il m'a fait qu'il y a un ami, c'est que Paul P. a compris que je suis un vieux, mais je suis un ami. Je suis un ami qui a été battu, mais je suis un ami. Et parce que la zoté, je suis en colère. Il fallait que le christianisme soit en colère. Mais eh bien, terre, il faut que en colère. Ce n'est pas toi. C'est le sang qui règne dans tes membres. Le sang que tu as hérité. Tu dois crucifier des choses qui sont dedans. Nous voulons bénéficier de la protection de Dieu. C'est conditionner la crainte de l'Éternel. On va faire la prière comme celle de l'apôtre Paul. Parce que nous sommes des mêmes natures que lui. Si dans ses membres, il y a eu la loi du péché, c'est pourquoi en nous, il y a la colère. En nous, il y a la colère. En nous, il y a la méchanceté. En nous, il y a la vie de tribunal, etc. Père, nous avons besoin d'être imbattable. Donc, on comprend que moi, je suis un peu de tribunal. Pour ressembler au gagné. Je me souviens à l'époque, il avait laissé des dossiers. Les morts avaient laissé des dossiers. Il n'y a pas de dossier, pas de dossier héritage. Il avait beaucoup d'argent, des moyens par rapport à son niveau commerçant, homme d'affaires, etc. Après, ce qu'il a laissé comme héritage, là, des dossiers. Avec un premier ministre, là, on l'appelait qui Sambo Pida Bang. Le vieux là qui est encore là, même ici, là, Kengo Adondo. Dossier. Avec une compagnie, la Cadeza, une banque là, il y avait épargne. Cadeza. Caisse d'épargne, quelque chose comme ça. Là. Pas de dossier, ils me doivent autant d'argent. Et là-bas, on me doit autant d'argent. Je suis un peu plus de côté ça, côté ça, dossier. Héritage, à tout cas. Et tu vas remarquer, je connais encore l'une de nos soeurs. Je connais encore l'une de nos soeurs. Peu au long été. Il a des arguments. Fandami, oh, il y a un peu de temps.
J'ai compris, c'est des choses qu'on a héritées. Et je déclare, je prie tous les jours, Seigneur, biloko ekweya. Ekweya. Et continue à vivre tes katinanga. Mais le côté positif, c'est que ça nous donne des arguments. Le côté positif, je récupère. Oya ma benazo boy. Nazo boy. Tinaza boy. Jamais la samba la moto. Mais j'ai sens ces choses-là qu'on réclamait. J'ai vu ma soeur Nderonanga, un grand commerce, une grande commerçante. Mais biloko wana. Elle n'a pas compris ce que moi j'ai compris. Elle n'a pas eu le temps de briser, mais yazo vivre en haut. Agenda kutuna mboka moko na ba village kote ba ya ba chef kutume mboboy ba problème na ba chef kutume yangana ah mais ma bona ba tribunal na ba justice village abatu ya kota ba teke kuna suki wapi azo mema bango ko meme toke ibo ki ba sambi pa longi bien aimé dans le Seigneur, ne blague pas avec des choses héritées. C'est pourquoi la convoitise que tu as mobala batura misu poya 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 o mwen kombala batwa ni ko betle misu o bali mwabala batwa ni ko misle ba soutien gorge o mwen kombala batwa ni ko pasule ba fanti milai. C'est des choses que tu as hérité. Des fois ta mère était dans la rue boulevard. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, les dépôts qui nous empêchent de vivre la crainte de Dieu, ceux qui ont maquillé les otoka ya kimuyi bina kat nangai. Il y a l'olendo, il y a kanda, tu es gonflé. Même quand tu n'as rien dans la poche, gonflé l'olendo, l'olendo. Voilà que tu perds le mariage, tu perds les emplois, tu perds des opportunités à cause de l'orgueil. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, lo fundo yo katinanga, o izoto kana katinama kilananga, ça m'empêche de te craindre. Que ça soit crucifié aujourd'hui. Parce que ça fait partie des conditions pour bénéficier de la protection de Dieu dans ce monde où nous sommes entourés de méchants. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que tu peux prier avec moi maintenant? J'aimerais que tu élèves ta voix et que nous prions bien. Poussana libo soanzan. Kokipete mutaza pembe nayo. Dieu te connaît, voilà pourquoi il m'envoie ce service, ce message dans ce service. J'aimerais que nous prions maintenant. Qu'on dise à Dieu, papa, crucifie la colère en moi, crucifie la haine en moi, crucifie le mensonge, l'hypocrisie, crucifie l'adultère, l'impudicité. Mais, équipé, je pense que toi, tu ne seras plus scandalisé. Pasteur Kingana Kweyaki, Azana, Ndung Zokotoko, le barra pasteur à terre à Bissoua, Ndung Ekoto, Ekotoko, Ndung Ekotoko, Namakilana Ye. Ce cas, l'ongoli n'a pas réchauffé et retour à caca. Père beau consommé bilia. Ah, papa, bétinga liba, quoi ça, isko mouyi, biazo et baba mbongo. Kosi biso dossier, mikanda, pour toi, meli biso mbongo. N'djunga ki mouyi, son grand-père fut un grand voleur de chèvres au village. Il volait les poules d'autrui. Maki les autres tokakat naïe à bilokouan. C'est pourquoi j'aimerais que tu dises à Dieu, papa. Je veux te craindre, j'écoute tes enseignements tous les jours, mais en moi, il y a ces sentiments-là qui continuent à brûler. C'est pourquoi je viens à toi, te demandant une chose, crucifie, crucifie, fais mourir en moi tous ces sentiments, toutes ces sémences qui brûlent encore dans mes membres, ce qui bouillonne dans mon sang. Nzambe nangai, permettre nga, ebanda ko kufa. Boma l'okuta, boma hypocrisie, boma l'olendo. Crucifie la haine, la méchanceté, la jalousie, la cupidité, l'orgueil. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel et Dieu Tout-Puissant, nous savons que nous sommes dans un monde où l'ennemi règne. Mais pour bénéficier de ta protection, tu nous as recommandé ta crainte. Nous voulons bien te craindre, Seigneur, mais regarde dans nos membres, il y a le péché. La loi du péché nous impose le contraire de la crainte de Dieu. Voilà que je veux te craindre, mais en présence de mari d'autrui, je tombe facilement.
en présence des belles filles, je tombe facilement. En présence, papa, des richesses, je cède facilement. En présence, papa, des hommes, je manifeste l'orgueil. Je me laisse enfler par l'orgueil. En présence, oh Dieu Tout-Puissant, de l'argent, je me laisse manifester, conduit par la cupidité, Seigneur. Des choses que j'ai héritées dans mon sang et dans mes membres, elles ne veulent pas se détacher de moi. C'est pourquoi aujourd'hui, voulant te craindre, je viens, je ne reviens qu'auprès de toi. C'est toi seul qui as la capacité de tuer ces choses en moi. Le vieil homme qui continue à revendiquer dans mes membres, je te prie, Yahweh, de les crucifier. Akufa, akufa na makila na ngai, lolende kufa, kanda e kufa, lokute kufa, hypocrisie kufa, lolende kufa, eh père jalousie en yabande konanga, e kufa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais mourir le vieil homme, fais mourir le mensonge, la duplicité, l'hypocrisie, Seigneur, les faux témoignages contre mes frères. Yahweh, je te prie de t'élever et de tuer tout ce vieil homme en moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, je viens comme Paul dire en moi, je veux faire le bien, mais je me retrouve dans l'incapacité. Je ne suis pas capable de le faire à cause du vieil homme qui veille dans mes membres et qui règne encore dedans. Seigneur, je te prie de les tuer, je te prie de les crucifier. Kanda lukuta, méchanceté, haine, l'olène d'orgueil, et koufana kombo na Yesu. Dieu Tout-Puissant, nous voici. Nous voulons développer ta crainte, mais nous te demandons de commencer par tuer le vieil homme qui nous empêche de te craindre, qui nous empêche de t'obéir, qui nous empêche de te servir, qui nous empêche de mener une vie équilibrée, une vie chrétienne réelle, digne de ce nom. Seigneur, nous sommes dans des apparences. Voilà pourquoi nous apparaissons. On porte des Bibles, mais en coulisses, Seigneur, nous sommes dans des hôtels, dans des boîtes de nuit. En coulisses, nous sommes en train de nous entretuer. Nous tuons nos membres, nos frères. Nous mentons, nous rencontrons des faux témoignages. Père éternel, nous te demandons de briser ces choses, de les crucifier. La jalousie, la haine, on ne supporte pas la gloire de nos frères et sœurs qui émergent pourtant, qui font du bon travail. Papa, nous sommes prêts à les tuer, même nous portons les noms des chrétiens. Seigneur, nous voudrions que ces choses ne règnent plus dans nos membres. Il n'y a que toi qui sois capable de les crucifier. Papa, beta masasina kindo kina katna makila langa, beta masasina lokuta na lolendo na kanda, crucifié yango ba kufa, au nom de Jésus Christ de Nazareth. J'aimerais que tu me donnes encore quelques partages, mon frère. J'aimerais que tu partages ce live avec quelqu'un, qu'une âme soit édifiée, bien aimé. Que quelqu'un soit édifié. Partagez, partagez, partagez. Partagez sur WhatsApp. Copiez les liens et envoyez à votre frère ce lien sur WhatsApp. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partagez dans les groupes Facebook auxquels vous êtes abonné. Partagez sur votre propre mur, sur votre journal Facebook aussi. Envoyez ces liens à un frère ou à une sœur quelque part. Dieu te bénira. Il te bénira certainement. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Encore une fois, gloire au Seigneur. Bien-aimé, nous allons prier. Laisse-moi te rassurer que la prière que tu es en train de faire avec moi maintenant, c'est la meilleure des prières. Ah, lorsque Dieu entend ce genre de prière, que tu, surtout si tu le fais de tout ton cœur, laisse-moi te dire que Dieu est plus que joyeux, plus que... Il est vraiment émerveilleux. Très émerveilleux. Lorsque une âme se répand, la fête est organisée au ciel. Voilà pourquoi moi, votre humble serviteur, j'ai résolu que tous les jours de ma vie, je sois un organisateur de fête au ciel. Et en tout cas, je vis dans un... Je comprends raté. Je suis bien en haut de l'Iboma. Je suis bien en haut de l'Iboma. Tana mboka ba opportunité ko lukambongo alingo lukambongo te nde ko na lukambongo na ndenge nanga na batananga mais naza pe na vocation naza esclave évangile. Je dois servir mon Dieu. Lui sait comment il va me payer et comment est-ce qu'il me paye.
C'est pour vous dire que je travaille. Je ne suis pas à temps plein. Je travaille. Est-ce que tu as compris? Ok. Eyokani. Donc, mon frère et ma soeur, s'il faut chercher les bosseurs ou les courageux, tu vas boulot, tu vas faire. Ah, vraiment, tu as payé moi. Dans la carte, il y a une liste, tu vas faire boulot. Je ne suis pas paresseux. Allez-y partout, moi, je travaille, vous direz que c'est un bosseur. Un bosseur, à peine, il m'a enquêté. Allez à les universités, partout j'ai fréquenté, vous direz c'est un bosseur. Mon toi, ce n'est pas un paresseux. Allez-y maintenant dans les hommes de Dieu, vous diront que c'est un bosseur même dans le ministère. Parce que je sais que mon Dieu, celui qui m'a créé à son image, fut un bosseur dès les jardins d'Éden. On l'a vu bosser sérieusement. Donc, ils en démontrent. Nous fermons la parenthèse. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je te prie de faire cette prière de tout cœur. On a repris, on a rempli la première condition. La crainte de Dieu. Deuxièmement, espérer en sa bonté. Né au sal rebelle, on appelle nos salarangos. Nzambe nangai batela, nzambe bundela. Mais la première condition, on a tendance à négliger. Or, c'est la clé. La clé. Nous revenons maintenant à la destinée et le combat de la destinée. Samson, un grand missionnaire, quelqu'un qui a un appel authentique de la part de Dieu. Et ça, c'est que on a l'autre qui n'est dans l'autre qui pigeon, dans l'autre qui pembe, nous avons bien dans ça, il y a un pigeon, un zalibe, un baptême de l'esprit, je suis apôtre. Ah, m'appelle Moussouza Kobamba. Ça dit que la personne n'est même pas sûre que Dieu l'a appelé au ministère, mais il cotisie kaka donc le coup de temps soit moins que ça ne dit pas l'art. Shida. Moins on dit pas l'art. Or, vrai qu'on parle, on dirait ça dans nos commerces. Aussi, je ne suis pas mon boulot. Si tu n'es pas appelé, Dieu ne donnera pas la provision. Je vous pose une question. Tu peux prendre la tenue d'un militaire ou d'un policier. Tu la mets sur ton corps. Dans des pays comme celui-ci, même en Afrique aussi, dans des pays comme celui-ci, penses-tu qu'à la fin du monde, on va te payer par l'État? Parce que tu as porté la tenue. On en vend ici, dans des supermarchés, même dans des boutiques, on vend des habits usés. Là. Ah, on en vend partout. Normalement, on appelle la tenue, pendant la militaire, pendant l'américain. Un jour, je faisais un tour là-bas. Mon épouse me dit, regarde la tenue des militaires, tu ne peux pas prendre. Je dis, ah! Oh, ils appellent des vétérans, plutôt des militaires, des solo, tenia, kaki, on a des américains, on a des soldats fachis, des soldats. C'est-à-dire que je pouvais porter ça. Dans le temps où je peux me rendre, non, pas à côté de l'armée, Mikolo. Avec mon âge, là, je ne peux pas rentrer. Mais quoi, face à moi, jeune, boy. Na que bêta, on peut me rendre, c'est à 18 ans. Na 4. Ah, na zo kota, na zo pas sol. Na que m'a peine à grimacer, mon ah, militaire, à banque. Mais à la fin du mois, le gouvernement américain ne me payera rien. Parce que je n'ai pas de numéro matricule. Je ne suis pas reconnu. Ici, on me reconnaît comme un businessman. En tout cas, l'État, baby, qui est là, il y a un business. Baby, qui est là, il y a un business. Il y a un travail dans le business. Il y a un business. Là, je suis connu comme ça, ici en Amérique. Mais malgré la tenue des militaires, ils ne vont pas me reconnaître. Ils ne vont pas me reconnaître. Malgré la tenue, on peut bien être parce que c'est bon, je suis un militaire. Mais salaire, non, zoate. Il en est de même pour ceux qui s'improvisent pasteurs, prophètes, apôtres. C'est-à-dire que c'est pourquoi ils se créent eux-mêmes leur propre salaire. Parce que l'objectif c'est l'argent. Comme je suis avec l'un qui partage dans mon groupe là, bon, je n'aime pas trop barrer la route. Comme il parle de Jésus, je le laisse partager. Mais hier, je suis tombé, avant-hier, je suis tombé sur une prophétie.
dès quand je clique un peu pour lire un peu la vidéo, parce que j'aime trop écouter les autres, ça c'est ma faiblesse. J'aime trop écouter. Et quand je suis tombé dedans, il prophétise sur quelqu'un. Tu as tel problème, Dieu me montre ceci sur le passé, le passé, tu as fait ceci, tu avais tel problème, n'est-ce pas? Oui. Alors pour résoudre ce problème, Dieu me dit donne-moi 100 dollars, donne-moi 100 euros. Ah. Je suis rentré en moi-même, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit de donner 100 euros pour résoudre ces problèmes-là? La maladie ou quoi là? Bon, comme Dieu, il parle à tout le monde, mais en cachette, en secret, on a dit, bon, ça va, peut-être que Dieu a dit. Mais la forme, j'ai compris que le monsieur a besoin d'argent. Alors, si ce n'est pas Dieu qui a dit, souhaitons que ça soit Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu qui a dit, pourquoi ne pas faire le service? Et si tu es dans le besoin, tu dis, frère, j'ai un besoin ici. Peux-tu me soutenir? On doit soutenir, yo. Tu n'as pas péché. Mais quand quelqu'un maintenant s'improvise dans l'œuvre, il veut se créer un salaire à lui. C'est alors qu'ils ont compté ce qu'on a vu le coin. On a bétaillé ça, qu'on a pas béni. Na bete prophétie mon roboya au bangi ça y est au bangi na zoma na kufa na zoma na bana na yomwa na zobela wana mais zo sakani ba o récupérer pour na essimba te donne de l'argent à pêcher na montant. Ah, c'est là où j'ai dit, quand tu n'es pas reconnu par le ciel ne va pas te payer, et toi-même maintenant tu vas te créer ton propre salaire. C'est là où la Bible disait, beaucoup porteront le nom de l'agneau, de l'homme. Mais vont dire, donne-nous seulement qu'on porte ton nom. Mais la provision, nous-mêmes allons nous en charger. Tu gardes qu'à combo na Yesu ya mobali. Mais n'en te relia, n'en te refoute l'andako, n'en te renie, mais seulement te redébrouiller. Mais tu portes qu'à combo na Yesu. N'en m'en te vivre, Nicolo. C'est pourquoi toi qui suis ces choses, sois éveillé. C'est un groupe public que j'ai mis. Tout le monde peut parler de Jésus. On parle de Jésus. Mais il faut être éclairé et éveillé. Fais ceci, si tu ne fais pas cela, la mort. Ah, Nzambe Nangai. Tout à la peine la Bible, est-ce que Zalek Pena Bongo, Bantom, Batambo la Bongo, tu y habites. Mais il faut une parenthèse, hein, parce que vous avez esprit faible. Tu peux être là, au goût que Pena Biblo Rendewana, et le discernement. Il faut avoir le discernement. Je ferme la parenthèse rapidement. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur que je puisse te partager avec toi cette rubrique-là pour que tu sois éveillé. En tant que berger, on peut que le faire aussi pour préserver les brebis du Seigneur. Donc, je disais ceci, mon frère et ma soeur. Je parlais des soldats. J'ai parlé d'appel authentique de Samson. Samson est appelé à servir le Seigneur. Appel Naïeza Kebakebate, c'est-à-dire que c'est le ciel lui-même. Avant que Samson ne naisse, la Bible dit, les parents de Samson ont été visités par l'ange. Ce qu'on appelle, hein? Authentique, car on s'en a été. Rempli de toute forme d'authenticité. Manoak, attention, je te vois, tu as l'habitude de boire l'alcool, tu bois trop. Mais là, Masarambi, la mingo, mais là, le toko. On met la zodo de Bélé. Mais que les années, bombé. Hein? On met la bombé trop. Toi, tu n'es pas au pays. Il faut être connecté au pays. Il faut connaître toutes les notions. Hein? Pas ça, ça branché. Tu veux qu'il y ait news. Bombé, c'est-à-dire quoi? Une boisson qu'on prend actuellement, c'est-à-dire que si tu as des problèmes, tu es dépassé. Tu ne veux plus avoir faim parce que tu n'as pas l'argent pour manger 2-3 jours. Tu fais, au lieu de faire un jeûne forcé en train de souffrir, mais tu peux ça la passe, tu as cron. Tu prends un peu de bombé, c'est une bière là. Quand tu bois l'alcool là, ça va te laisser, tu vas dormir. C'est comme si tu as pris, qu'on appelle ça le Valium. C'est comme si tu as pris l'anesthésie. Tu peux dormir pendant 3 jours, les amis. Donc, lundi, mardi, mercredi, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu es là toujours en train de dormir. Tu ne te réveilles pas. Tu n'es pas mort, mais tu dors. Ah, ça, le monde est en train d'aller. Ah, le monde, je ne sais pas, nous allons où avec ce monde.
bombé, mes amis, bombé. Donc, aux autres qui m'ont pas problème, on a monté à Nyongo, mais il y a bombé. On a l'air de 3 jours, il y a fêlé. Le quoi la Jonas n'a sali Mwambi. Sans manger, sans boire, mais tu n'as pas mal. Ah Seigneur, y'a kaka pour mon cul, n'est-ce qu'il y a pas. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Qui vous bénisse abondamment. Ah, RDC, Botama Congolais, Lengi. Et le Kamakas. Y'a Kombo, Bombé. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Dieu parle au papa ou à, maman, à la maman de Samson. Il dit, je vous vois, vous êtes des ivrognes. Ma tension, je vous tire les oreilles. C'est lui qui va naître là. C'est mon serviteur. Vous avez souffert pendant des années, humilié par les Philistins, ces peuples barbares. Moi, je vous envoie un sauveur. Les libérateurs des Juifs. De la servitude des Égyptiens, des Philistins. Celui qui naîtra de vos entrailles, on l'appellera Samson. C'était des stériles. Nzamba a bombé la rabat stérile, Babylon, ma surprise agréable. Toi qui traverses la stérilité, parenthèse, que tu sois stérile, et à la primaire ou secondaire, yéba, yéba, il y a danger de Bazoya. Et tu vas m'en passer en anga. Il y a danger, Bazoya. Ma grand missionnaire, Yao Saranaki. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Nous sommes total. Sauter en absolue vérité. Je confesse ma foi. Banaki top. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. L'enfant va naître. Dieu lui dit d'abord, il vient comme précurseur lui-même. Il envoie l'ange, envoyé spécial. Parce qu'il y a un grand missionnaire qui arrive. Moi, je suis en train de me faire. Mais nous sommes en train de me. Donc, c'est quelqu'un qui est un véritable fils des promesses. Il dit, sur sa tête, le rasoir ne passera pas. Tressez-lui des cheveux. 7, les chiffres de la perfection et du repos. Il aura la force de vous délivrer de cette souffrance, de cette servitude. Mission bien définie. Tout n'aura apôtre, n'a yoana, apôtre, n'a apôtre, fiston. Nous avons bien grandi, aïe bate. Quel signe? Et là, c'est que nous avons bien grandi, exacté. Bosola ananza mendeni a évité. Apôtre Mado. Mais Samson, fils de promesse. Mais là, c'est l'apôtre Mado, apôtre Fiston, qui te dit que le fils de promesse ne meurt pas. Lui-même d'abord appelle Keba Keba. Mais Samson, aujourd'hui, appelle ya solo. Donc, fils et alliance, mais la promesse à solo. La Bible dit quand il grandit, il est avec ses cheveux. Une force inexplicable, incomparable. Avec une simple mâchoire, il a terrassé plus de 1000 Philistins à Bomi Bango. Poup, nous tout manquons, 1000 personnes, ils ont atteint. Bien aimé, la première fois quand je prêchais devant 3000 personnes, 2500 personnes, c'était dans quelle église là? Une église là-bas, Aseka, Mbujimai, l'assemblée de Sims, chez le pasteur Emmanuel Katako. J'ai fait séminaire d'une semaine. Pendant que je prêchais dans mon épée, il y avait 3000 bouées. Maman a foule. Je me dis donc, divisé par 3 cet effectif-là, Ne Oyo, Samson a bêta ma kofi. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Ceux qui ont l'église, ils ont autant de 200 personnes. Moi, 300 chaises d'église. Et on m'a foule. T'as la maman là-bas. Non, on appelle un vertige, bateau, coup, hangar, c'est le bateau, le arche de Noé. Bateau, il y a un Sims. Il y a un séminaire, il y a un talati, il y a un coin, il y a sur la grande avenue, à Sekam Bujima, central. Mais la Bible dit Samson a tué 1000 avec une simple mâchoire de l'âne. Parce que Dieu était avec lui. Parce qu'il obéissait les recommandations de Dieu. Matin, midi, soir, ses cheveux étaient comme Dieu l'avait recommandé. Tout homme de Dieu, tout fils de Dieu, tout enfant de Dieu, a, celui qui marche en alliance avec Dieu, a toujours ce qu'on appelle
des principes ou bien des préceptes, on appelle ça en lingala bikila, ekila. Des choses que tu dois obéir, auxquelles tu dois obéir. Des recommandations, des clauses entre toi et ton Dieu. À ses serviteurs, il disait, vous allez porter des caleçons. Avec mon lingwanda, le sacrificateur. Ça, la vie sexuelle de l'homme de Dieu doit être une vie cachée. Ta partie intime ne doit pas être exposée à tous. Quand tu commences à exposer ta partie sexuelle, tu perds quelque chose de Dieu. Quand ces clauses-là sont bafouées, tu perds quelque chose de Dieu. Il n'y a pas que les serviteurs de Dieu. Tout fils de Dieu, nous sommes un sacerdoce royal maintenant en Christ. Y compris toi, fille de Dieu. Donc comprends que chaque fois que tu vas dans le bureau d'un frère, d'une sœur, d'un homme d'affaires, d'un patron à la compagnie, tu te déshabilles là, tu perds quelque chose de Dieu. Ta sexualité, ton sexe est sacré. Et c'est des choses que les gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a très peu de prédicateurs qui parlent de ça aujourd'hui. Mais après, il n'y a pas de partenaire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire un dessin. Ce prédicateur, je l'appréciais beaucoup, il est orgueilleux. Ce n'est pas l'orgueil, nous parlons de la vérité. Jésus revient bientôt. On doit prêcher la vérité au peuple de Dieu. Maman, chaque fois que tu te livres à la fornication, à l'adultère, au mensonge, tu bafoues les principes, le précepte de Dieu, comprends que tu perds quelque chose et Dieu peut se retirer de toi. Donc la protection dont nous parlons là se retire aussi. La Bible dit Samson gardait le secret, il gardait le secret, l'alliance avec Dieu, la chevelure au niveau de sa tête, etc. Mais le jour où il a livré le secret à Delila, sa femme, entre guillemets, sorcière, envoyée du monde des ténèbres, Dieu se retira. C'est ce que la Bible dit. Et l'Éternel se retira de Samson. Quand Dieu se retire de toi, de ta maison, de ton travail, de ton ministère, de tes activités, de tes voies, bien-aimé, tu es exposé dans ce monde où règne le méchant. Tu n'es plus fort, tu deviens faible. C'est la Bible, c'est pourquoi la Bible dit, Samson, pensant que Dieu était toujours avec lui alors que l'Éternel s'était déjà retiré, il devint comme tout autre homme. Est-ce que tu comprends cette phrase? La Bible dit, et Samson, après que l'Éternel s'est retiré de lui, il redevint comme tout autre homme. Voilà pourquoi je viens dire à un enfant de Dieu qui craint Dieu, tu n'es pas comme tous les hommes. Yangona tambula na lolendo. Na binde konanga, ngana za mutoro liate olika na musina njungu olika mutu nyonso lienga. Parce que na yebi que nzambe wana Samson nzambe wana tambulaka na ye nzambe wana lukaka butumoi nzambe oyo na menaka vie elongo na ye na ba principe na ye na yebi place na chema kolona nga ya singa luke to mona ngoten omona na sima mwasha mutute omona na tena sima eloko mutu na konvoite na lula pona botola ombongo o siksa muninga Les jeunes, plus jeunes que moi, peuvent émerger comme matin et salanguer Sengo. Je suis dans la joie de voir, j'ai témoigné la fois passée une sœur, je ne veux pas citer le nom ici, qui est une célébrité maintenant, ici sur le net. Je l'ai vu cela 3 ans. Azoye mabanze mounaïwana, et ça n'a mawa, et ça n'a mawa. Mais elle était déterminée. Moi et mon épouse, on disait, regarde cette jeune, elle paraît jeune, mais elle était déterminée dans ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, elle vous compte 1 million d'abonnés reconnus sur Facebook et sur le plan international. Et je prie tous les jours, Dieu protège-la. Et j'ai beaucoup aimé qu'elle s'est mariée encore jeune. J'ai dit, Seigneur, merci, parce qu'elle est menée équilibrée. Que Dieu protège leur couple, bien que ce soit des jeunes gens. Quand les gens émergent comme ça, ça me fait de la joie. Surtout ceux qui émergent dans le Seigneur. Voilà pourquoi je me promène avec assurance. Quelqu'un me dit, papa, tonton, tu crois que tu ne peux pas mourir? Ok, bon, maman, elle est là. 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 Elle est là.
Na ke pe ma penance de la ra enlèvement pon son de la trompette à la droite du Père, non, qui t'appelle pour nous juger mon qui. C'est ce que l'apôtre Paul nous apprend. La mort est un gain. Si je vis, je prêche Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, dans Zambé, il faut que tu en arrives là. Que tu sois rassuré. Dans tous les actes que tu poses, toutes les paroles qui sortent de ta bouche, tous les gestes que tu fais, suis-je avec Dieu? On a sa colère opposée à ma acte, moi, je suis incontrôlé. Quand tu rentres en toi, me dis, Seigneur, non, ça, je me suis mal comporté. Je ne vais plus faire. Quand déjà tu es capable de te rendre compte, de te ressaisir, quand tu t'enfonces vers le mal et que tu reviens, Seigneur, comprends que tu as la sémence de Dieu, aux fils de Dieu, aux filles de Dieu. Et surtout quand tu es capable de t'agenouiller, de te repentir et d'abandonner, c'est fini. Tu es vraiment dans sa présence. Et laisse-moi te dire que si tel est le cas pour toi, tu es vraiment une maman, un papa qui craint Dieu. Et la protection de Dieu sera toujours ton partage. Le fer aiguise le fer. Comme tu écoutes ces paroles, que la crainte de Dieu te soit communiquée. Si tu craignais déjà Dieu, que la dose monte encore davantage. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Que la vie de Dieu, la vie de l'obéissance, de la sanctification et de l'obéissance des lois de Dieu soit ton partage. Aussi longtemps que Samson obéissait au principe, parmi Bekilanzam, ce sont les offrandes aussi et la dîme. Depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui, tu as payé ta dîme. Ni tous à bout, comme que la fin du mois, non, la longue du paranzam était mon thème dans les années qui m'y a dit. Mon épouse me rappelle toujours pas pour ça, la longue du dîme en zam. Il y en a qui m'y a dit. De fond à zoa, t'en as bête à ma chine. C'est pas que je vais pas donner dans tant des athées. Il y a 24 heures dans le nombre d'heures dans la journée parce que 24 heures comme mouké pour nanga. Hein, yom tolo balo bara. Ali ngi musala tali musa. Tu as mon pou nanga ba pêche nanga na gérer 24 heures là là ba pongi. So ti kawi na yana le min zo te pon zo na nanga mo. Mais nanga ba beta boulot ti des fois 3 heures du matin. Le quoi dans sala médecine accompagne que zo des olemba et mon antik ba boulot tout na lali. Je vais vous montrer une chose, c'est que je suis en train de me faire. Est-ce que tu comprends, mon frère? Le rendement du travail peut être aujourd'hui. Il y a un temps pour s'aimer. Nous s'aimons. Mais quand Dieu va commencer à me bénir, que ça la jalousie, c'est parce que je bosse. Il nous bénit sur cette terre. Il nous bénit également dans le royaume des cieux. Ce que je sème là, les âmes sont gagnées. Toi, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Tu m'écoutes, non? Tu commences à craindre Dieu à partir d'aujourd'hui. Mais j'ai des points, j'ai marqué des points au ciel. Et aussi longtemps que tu es dans les principes de Dieu, dans la crainte de Dieu, tu fais sa mission, tu fais ses recommandations, tu accomplis ce qu'il te demande comme Samson, il sera avec toi. C'est pourquoi Élisée, en présence des soldats syriens, il parle à Géasi, il dit, dès que je suis là, nous ne sommes pas seuls. Il y a une armée. Il connaissait, elle avait placé ses pieds. C'était un homme de Dieu qui craignait Dieu. Élisée. Kalara passe en or. Moi, c'est que les Yemoro ont balité, banate, Yemoro a un esprit de faiblesse. Avec ses présentés au mythique. C'est ma prophète avait lourd à viscère. Oui, 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 papa prophète, mouta nyongo, azo luka nyongo na ye. Mais a récupéré. Même Élisée craignait Dieu. Il connaissait là où il avait posé ses pieds. Il connaissait qui il servait. Il a coaché la femme. Il a orienté. Et la femme a payé ses dettes. Il n'a pas abusé de lui. D'elle plutôt. Voilà pourquoi les anges de Dieu devaient être là. Il dit tel que nous sommes là. Malgré les gens qui nous attaquent. Tu vois les armes, l'armée syrienne là. Mais derrière nous, il y a les anges de Dieu. Et ça, j'aimerais que tu puisses en arriver là aussi, mon frère et ma soeur. Tinero tambula en avion. Ozo tambula na kat na bateau. Na mituka. Basno yangwe komoya. Oh, remorque balukingou. Ne sois pas agité. Sois sûr qu'il y a les anges de Dieu qui sont avec toi.
si ce n'est pas ton temps de quitter ce monde, l'ange de l'Éternel te sécurisera. J'aimerais que tu puisses avoir cette assurance. Il n'y a pas que la crainte de Dieu, mais également le bénéfice de la crainte de Dieu, la protection divine. Et Élisée en avait l'assurance. Il dit, ceux qui sont de notre côté, ils sont plus nombreux. J'aurais voulu qu'ils disent, et plus fort que ceux qui sont de leur côté. C'est ce qu'il voulait dire au fait. Quand ils sont plus nombreux, c'est-à-dire que ben, on va dire qu'ils ne peuvent pas manquer. J'aimerais que tu sois rassuré de ça. C'est pourquoi il y en a beaucoup, il y en a moins. Malade, il y a tant de gens qui ne vont pas. Nakobanga et le côté. Yawazali mosungi nangai nakobanga et le côté. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, je n'aurai peur de rien. Parce que l'Éternel est mon berger. Sois-en rassuré. Que les anges de Dieu te protégeront. Ils te sécuriseront. Un jour, je provenais du travail. C'était vers 22h30, 23h. Parce qu'avec les snow là, la neige, une forte neige, mes amis. Alors, on était sur l'autoroute. Et les camions qui nettoyaient avaient déjà nettoyé. Mais comme ça nettoie, ça passe. Et puis, ça fait encore quelques heures pour revenir. La neige avait encore pris de l'ampleur. Oui, la neige est encore là-bas. Ma poussière, ma foufou, et avant, on a besoin d'examen d'état. Ah, bien aimé, une forte neige. On était à l'autoroute, maintenant c'était à une pente, une descente. Je revenais du boulot. Remorque à Moulaï, Ezoya. Mi balet au misat, trois remorques. Et puis pendant ce moment-là, les chauffeurs, là, la plupart, c'est comme s'ils prennent des trucs bizarres, là, ils prennent des boissons fortes. Jack en a vitesse. Ça dit que le premier remorque passe. Une remorque, hein? Ou bien remorque. Une remorque. Un remorque. Ok, je ne sais pas. Là où frère, tout l'article dépend de celui qui l'emploie. Donc c'est là, c'est les remorques. Comment je suis masculin. Ok, j'ai créé ma loi, moi. Le remorque est passé le premier. Ouah! Ndeko n'a pas tiqué le bisou. Maman n'a poussière. Ça dit que tu ne sais plus voir là où tu vas. Il les faisait expressement, ces gens. Hermine 22h, mouté me longue na place, na bis Seigneur, na descente si go bozo kita. Ozo e bate, pour wana si osoro nyati frein, e boa ki yo. Soko balo le ke koumi tout an an libende, parce que tu ne vois pas là où tu vas. Deuxième elandi, ouah! Et tiki li sous poussière. Et dans l'entretemps, comme ils vont en vitesse comme ça, s'ils osent freiner, donc mukila nezo baluka yom toza pembeni kiko bwaka yokuna na lubwa. Je vous dis la vie ou la mort. Ndomo na ozo pena moto tindi moi $100 bi mama zwa 100 oyo sauver na ngwa bi otindi kaka 100 ba éviter ba vie ba toza ko risquer. Nzambe sunga. Je regarde comme ça à côté, c'était un ami avec qui on travaillait dans une autre compagnie. Lui était là, bien mais là tu. Là, c'est Dieu maintenant qui te protège. C'est que là, tu ne te protèges plus. Là, c'est Dieu qui veille sur toi. Et dans mon cœur, j'ai ressenti une voix qui me disait, l'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui craignent. Ne crains rien, Dieu te protégera. La syndicat volant, la robot. La robo. Le yembo est bandi. Le sambo est bandi dans mon thème. Vous rendez comment si vous avez une alliance, vous avez une alliance. Bien-aimé, troisième éléki. Nabi Seigneur, il y a cinquième ezo, il y a sixième ezande. Après, je suis en train de me faire continuer à faire des choses. Malembe. Tito Kumananda. Je te parle de la protection de Dieu. Et Élisée, il était en face des ennemis. Il venait pour l'arrêter. Il dit à Géasi, ceux qui sont derrière nous sont plus forts. Je mérite qu'en ces jours, le long de cette semaine, à partir d'aujourd'hui, quand tu te promènes dans toutes tes voies, ne promène plus des regards inquiets. Même si tu traverses la famine, la Bible dit l'ange de Dieu qui campe autour de ceux qui les craignent,
il les arrache du danger, mais ne s'arrête pas là. La Bible dit, il leur fait quoi? Il leur donne le pain le jour de la famine. Il les arrache du danger et les fait vivre au milieu de la famine. Donc Dieu envoie aussi ses anges comme pour la providence divine. Tu manques un travail, l'ange de Dieu peut également t'ouvrir la porte du travail. C'est ce que cela veut dire. Tu manques un mariage, l'ange de Dieu peut t'ouvrir la porte du mariage. Tu as besoin d'une ouverture quelconque, d'un succès quelque part, l'ange de l'Éternel peut t'ouvrir la porte du succès dans ton commerce et dans ce que tu fais. Alors pourquoi ne pas s'accrocher à ces dieux? Un Dieu qui sait veiller sur nos corps, nos âmes et nos esprits, protéger nos familles, nous bénir et pourvoir nos besoins. Il y a de quoi s'attacher à lui. Samson a désobéi. Lui qui était fort, Dieu les protégeait, les sécurisait. Mais le jour où il a désobéi, pensant que Dieu allait continuer à faire la même chose, la Bible dit les Philistins l'ont récupéré. On lui a crevé les yeux parce qu'il était redevenu comme tout autre homme. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, n'accepte pas de te promener comme tout autre homme. Ne va pas au marché pour vendre comme toutes les femmes marchandes, celles qui vont vendre. Ne va pas au boulot comme tout autre homme. Toi, tu es une femme différente. Tu es un homme différent. Va désormais en observant ce que je t'ai recommandé. Marchant dans la crainte de Dieu. Il y a des choses que les autres peuvent faire au travail, mais toi, tu ne peux pas faire. Il faut que tu en arrives là. Et n'aie pas honte de t'afficher en tant que serviteur ou servante. Même yo mon peu androgyné. Blom soit tout soit que ça, mais yo son mec qui vous dit, pasteur, na yo pe. Yo son la yo. C'est pourquoi moi je n'ai pas honte que tu m'appelles pasteur. Et son nom out ma casse. Et dame, tu as bien yo pasteur. Ah, mon thème déjà. Déjà vu que awa koutou na que ça la jeté. Parce que tu as déjà une étiquette quelconque. Donc mon frère et ma soeur, j'aimerais que tu développes la crainte de Dieu. Et n'aie pas honte de t'afficher en qualité de serviteur ou de servante de Dieu, de fils et de filles de Dieu. Et j'ai peur de voir que beaucoup de gens ne veulent même plus publier sur leur mur. Tu vois, ma ramwanza, mais ça l'a raté. Yo, moi, dans un journal, à Facebook, à WhatsApp, à Yoka, ma cambouya, ma politique, ma ramwaba, mi jambou qui lit. Mais ma ramwanza, tu ne veux même pas t'afficher en tant que chrétien. Samson, il avait une chevelure différente de tous les gens de sa génération. La génie soit quand tu as su qu'il n'y a pas de pasteur, il y a un pink, il y a rat, il y a nini boy, mais il y a un su qui est raté. Un homme différent. Aux amants d'Abilaka, il faut être différente. Maman, il y différent. Dans ton accoutrement, il ne faut pas exposer les sexes, les cuisses, les seins. Ce sont des parties intimes et c'est des parties sacrées. Dans ton langage, il ne faut pas être trop vulgaire, impolitesse, insolence. Mon tazan et le bas mort sont katé les lingala. Attends, c'est mon bal na yote. Le père qui est au bal ailleurs. Donc il faut être modeste. Et puis avoir confiance en Dieu. Ou bang la mbongote, soit dans Zambé. Et on a bang la mbongote. Et pour ne pas dire, et vous m'avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que devant l'ennemi tu n'auras pas peur. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous que non, je suis de Dieu. Dieu veille sur mon corps, mon âme et mon esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il ne nous reste plus que 4 minutes. J'aimerais que tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas désobéir, à ne plus désobéir comme Samson. Parce que j'aimerais bénéficier de tous les atouts qu'avait Samson. 1. La force. 2. La protection. Le succès et la victoire sur mes ennemis. J'aimerais parler comme le prophète Élisée. Ceux qui sont derrière nous, ils sont plus forts et plus puissants et plus nombreux que ceux qui sont dans les camps adverses. J'aimerais marcher avec assurance comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui disait même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que ton bâton et ta houlette me rassure. On a vu Joseph en Égypte. Il a accepté de passer par la prison parce qu'il savait qu'il n'était pas coupable. Il avait l'assurance du Dieu qu'il a sorti de la fosse, de la citerne crévassée dans laquelle ses frères l'avaient jeté. Il avait l'assurance que ce même Dieu
va également le protéger même en prison, lui jeter par la femme de Potiphar. J'aimerais que tu marches avec ça dans ton cœur, dans ta tête, dans ton esprit à partir d'aujourd'hui. Alors maman, ne promène plus les regards inquiets. Mon thème est de se doukoudoukouté, de quoi la mbali à mouninga. Ya yo koutazar, azo ya mounen ya makas. Ya bel nega fonctionnaire. Yo bala, un grand footballeur, un millionnaire. Aoya, je te dis la vérité. N'aie pas peur. Ton Dieu pourvoira en tes besoins. Ne jalouse pas, ne convoite pas, ne combats pas celui qui émerge à côté de toi. Dieu te réserve un avenir heureux. Est-ce que tu peux prier maintenant pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur de la crainte. Donne-moi ta crainte. Aide-moi à avoir l'espoir en toi et que tes anges soient au rendez-vous dans toutes mes voies. À partir d'aujourd'hui, élève ta voix, prions ensemble au nom du Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, tu nous as appris aujourd'hui qu'on peut porter le nom des chrétiens et être amputé. On n'a pas fini. Seigneur, on peut porter le nom des serviteurs de Dieu et être stoppé. Mais si on peut revenir à toi, toi tu nous protégeras. Si on peut te craindre, tu veilleras sur nous comme tu as veillé sur Job. Et l'ennemi ne pourra rien contre nous. Malgré le manque de force, malgré le manque d'armes, malgré le manque de relations, etc. Mais toi tu es le Dieu sur qui on peut compter. Pas seulement nous, mais y compris nos familles. Père, merci de nous avoir enseigné. Et merci de nous avoir parlé. Et maintenant, nous abandonnons tous entre tes mains, te demandant d'affecter positivement notre pensée, nos raisonnements, nos caractères, nos comportements, notre marche et notre conduite sur cette terre. Père, nous voulons bannir la peur, le doute, l'incrédulité, l'incertitude. Nous voulons bannir la haine, la méchanceté, l'impudicité, l'adultère, toutes les choses qui nous écartent de ta présence. Nous voulons nous rapprocher davantage de toi. Tu as dit, rapprochez-vous de moi et je me rapprocherai de vous. Parce que je me laisse trouver auprès de quiconque me cherche. Ensemble avec ce peuple, nous te cherchons. Nous nous rapprochons de ton trône. Seigneur, accepte-nous dans ta présence. Affecte notre foi. Affecte positivement nos vies. Et aide-nous à t'obéir. Qu'on ne soit pas en train de choisir dans quel domaine on peut t'obéir. Qu'on ne choisisse pas les recommandations. Que je t'obéisse dans la crainte de Dieu. Que je marche dans ta crainte par rapport à l'impudicité, par rapport à la haine, à l'orgueil, à la calomnie, au mensonge, à la médisance. Mais que je t'obéisse aussi dans les offrandes, dans les dîmes, dans les libéralités, dans les aumônes, dans les actions de grâce. Père éternel, notre Dieu, que je n'ai pas la peur du péché seulement, mais que je n'ai pas non plus la peur de mes ennemis. Que je croie davantage en ta protection, en ta sécurité. Merci parce que tu m'as toujours protégé et tu me protégeras davantage. Voilà pourquoi je me cache entre tes mains, te demandant ainsi de couvrir corps à esprit, de nous sécuriser. Au nom de Jésus, avons ainsi prié, nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse richement. Je bénis un grand homme de Dieu qui est un grand esprit, l'évangéliste Denis Ngonde, pour des cantiques merveilleux. Il venait de fêter ses 60 ans. Il t'a béni avec des cantiques. Je me souviens des chansons telles que Banguna Nangai, Babe Elemi, Balobi Nangai et Tengaina Asuki, Babo Sanyete Paingaina Sukaka. Des prières, des cantiques qui nous font rentrer dans la présence du Seigneur. Il vient de fêter ses 60 ans. Mais j'ai vu très peu de gens nous partager. Très peu de gens. Si tu peux quand même appeler l'homme de Dieu, lui faire un jus. Cadeau d'anniversaire. Papa, tes cantiques m'ont béni. J'étais malade, j'étais à l'hôpital, j'étais en difficulté. C'est des choses comme ça. Nous les enfants de Dieu, on est appelés à faire ça. Ah, ceux qui papa de Ningonda Kwei. Mais 60 ans d'âge, 40 combien de ministères? Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. On peut encourager les gens comme ça. Bon, moi je vais aussi tenter de le faire. Si toi, si tu peux l'accompagner, ça peut également faire du bien. C'est comme ça. C'est ça la communion fraternelle. C'est ça l'amour. L'amour. Quel est bon Dieu? Vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission.
C'était votre humble serviteur, l'homme de la continuité des Actes des Apôtres, le pasteur Patrick Alala, homme de Dieu. Nous répondons au plus 1-331-262-4903. Peut-être que c'est trop pressé, vous allez voir le numéro affiché. Et désormais, vous allez remarquer sur nos vidéos, on écrit les comptes PayPal par lesquels vous pouvez bénir ce ministère. Vous pouvez nous bénir, nous sommes là comme un organisme d'évangélisation. Nous prêchons, nous édifions, nous conseillons, nous orientons, nous fortifions, nous prions pour les malades, nous prions pour les gens qui ont des problèmes, nous remontons le moral de ceux qui sont stressés par la parole de Dieu, par la pure parole, mais nous soutenons également les indigents, les pauvres, les malheureux, les orphelins et les veuves. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être soutenus dans ce ministère. Et les moyens de paiement, c'est @patrickalalaministry. Vous n'allez pas voir ça dans le générique, mais à la fin de la vidéo, vous allez voir, je vais écrire sur toutes nos vidéos, notre moyen de paiement va soutenir ce ministère par @patrickalalaministry. Envoyez votre offrande, votre don, votre libéralité, votre soutien. Et je pense que ça sera sur une bonne terre que vous aurez sémé cela. Et vous allez voir que les œuvres vont bientôt commencer. On commence avec nos campagnes. Et je pense que chaque mois, on va commencer à nous organiser. Après deux mois, on va faire des actions comme ça. Ça, c'est notre vie. Jacques chapitre 1 verset 27. L'évangile pur consiste à soutenir les orphelins. Vous voulez participer? Il y a de ceux-là qui ont peur. Ah papa, je n'aime pas soutenir les orphelins, des fois c'est des sorciers. Donnez cela ici, nous allons prier pour ça. Et ça va arriver et vous serez bénis. Que le bon Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'homme de la continuité des Actes des Apôtres, le pasteur Patrick Alala. Dans Patrick Alala Ministry. Allez, soyez bénis. On se retrouve avec vous demain, plutôt aujourd'hui. Ça sera l'avant-dernier jour de notre programme des 10 jours sur la page Facebook Patrick Alala Ministry. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Patrick Alala Ministry également. Donc la page Facebook c'est Patrick Alala Ministry, la chaîne YouTube Patrick Alala Ministry. Allez sur YouTube, écrivez Patrick Alala Ministry, vous allez trouver l'homme de Dieu habillé en veste noire, chemise jaune, assis sur une chaise en bois. C'est notre photo de profil là-bas. Abonnez-vous, cliquez sur s'abonner, vous abonnez et puis cliquez sur la cloche de notification de sorte que chaque fois qu'on sera en direct là-bas ou bien qu'on va lancer une vidéo, mettre en ligne une vidéo, que vous soyez notifié ou informé depuis votre téléphone. Je répète, Patrick Alala Ministry, c'est ça notre compte YouTube, c'est aussi le nom de notre compte, notre page Facebook, Patrick Alala Ministry. Vous pouvez vous abonner sur Facebook, abonnez-vous également sur YouTube. Suivez les enseignements, les prédications et tous les services qui sont disponibles aussi là-bas. Et vous ne serez pas déçus. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Rejoignez-nous encore cet après-midi à partir de 22h30, 23h. Soyez là, Europe, Afrique, soyez là, branchez ce côté pour suivre l'avant-dernier jour de notre programme des 10 jours. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et je pense qu'hier, on avait bien prié avec les frères et les sœurs. Alors vous qui avez raté, malheureusement, malheur à vous. Je ne vous maudis pas, mais vraiment, vous avez perdu des bons moments. Alors rattrapez-vous cette nuit ou bien cet après-midi. Vous êtes aux États-Unis, c'est à partir de 15h30, 16h. Soyez là, branchés, scotchés, on sera ensemble avec vous dans la 9e journée de notre programme des 10 jours sur les conflits familiaux, des moments merveilleux de bénédiction, des prières efficaces et des révélations. Portez-vous bien, c'était l'homme de la continuité, le pasteur Kalala, président de Patrick Alala Ministry, en collaboration avec la personne du Saint-Esprit. On vous a tenu compagnie. Allez, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Excellente journée à vous. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. Bye. Inspiré pour vous en vue de votre épanouissement. Révélations, exhortations, prières agressives de délivrance et de percée. À la présentation, Patrick Kalala, votre serviteur, l'homme de la continuité. Rejoignez-nous tous les jours ou contactez-vous au 001-331-262-4903. Soyez bénis. Programme spécial inspiré pour vous en vue de votre épanouissement spirituel. Au programme, révélations, exhortations, prières agressives de délivrance et de percée. À la présentation, Patrick Kalala, votre serviteur, l'homme de la continuité. Rejoignez-nous tous les jours ou contactez-vous au 001-331-262-4903.
03. Soyez bénis. Émission Malamu ya Maloba na Nzambe na Nguya pona ko simba lobi na yo pona ko zoa biyano malamu na bomoi na yo pona ko tatola elongi longo na nkolo Yesu osali na Nzambe Reverend Patrick Kalala amemeli bino émission kitoko ezali émission ya Maloba na Nzambe ya Matea ya Nguya pe ya mabondeli ya moto 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 oto bengi ba prière agressive pona ko récupérer oyayo les pamboli pona ko récupérer Oyayo, bomoi pona ko récupérer oyayo esengo pe kimia. Bongo pona ko contacter biso, boy ko benga biso 001 331 262 4903. Et pesameli bino na moko na basan nza passé particulièrement là. Bola na biso na bokebinyanso, mikolonyo zambe apambola bino. Merci.